Leur dialogue se poursuit. Le client pose des questions, car c'est son rôle de poser des questions. Et le vendeur y répond, car c'est son rôle d'avoir réponse à tout. Au bout d'un moment, le client, poliment, rappelle l'heure, car il sait que le vendeur a un train à prendre, Gare du Nord, mais l'autre, professionnellement, a encore bien le temps de parler de cette gare-ci. Cette fatigue dans les yeux qui soutiennent avec peine le regard de son client et préfèrent retomber sur les échantillons. Et d'ailleurs, le regard du client est le même. Il retombe aussi régulièrement sur les échantillons, les brochures, les chiffres. J'ai déjà dit qu'il a le même âge. Il a aussi le même costume, si neuf. Pas le même, vraiment, mais la même qualité de brillant, de gris. La même coupe de cheveux rases et polis. La même obligation d'être là pour acheter, pour tenir son rôle de commercial achat, pour parler avec assurance de ce qu'il sait des produits de bain, des besoins de son hôtel, sans doute un hôtel luxueux du quartier, 4 étoiles. Je la connais, je la reconnais, ce n'est pas la fatigue du jour présent, pas celle de la fin de journée, 18 heures passées, pas non plus celle de la fin de journée à venir avec le train encore après Gare du Nord. Notre fournisseur habite la banlieue lointaine, peut-être même la Picardie, Chantilly, Creil, ou même plus loin encore, Beauvais, Compiègne ou Amiens, et il ne sera chez lui qu'à 20 heures. Non, cette fatigue est celle des jours passés, de tous les jours passés, et de ceux à venir, tous ceux à venir. Tous les jours à passer, dans un costume irréprochable, à tenir un discours précis, en vue de vendre des savonnettes, des tubes de gel bain douche, shampoing, sel, bain, parfum, ambiance sale de bain. Un discours toujours le même, avec les infimes variations saisonnières de gamme, de collection, de réglementation, de tarifs, de promotion, variations qui, bien sûr, n'entament pas le refrain de fond. Le refrain de fond, cet éternel. Donnez-moi de l'argent. J'en ai fait mon métier. Donnez-moi de l'argent. Aidez-moi à atteindre mes objectifs. Vous aurez des produits, signons un contrat, faisons notre travail qui nous permet de vivre, manger, dormir sous un toit, être propre et s'habiller décemment. J'ai une famille, donnez-moi de l'argent. Laissez-moi vivre. Et je ne vois pas le visage du client, mais cet acheteur aussi a une vie de famille, un métier, des objectifs, lui aussi a sa ritournelle vitale. Prenez mon argent, vendez-moi vos produits, aidez-moi à atteindre mes objectifs, aidez-moi. Et donc l'heure tourne, la vente suit son chemin, les grilles tarifaires se dévoilent un peu plus, la feuille A4 d'un devis est remplie au stylo Bic. Les gestes du vendeur ne sont pas plus empressés ni plus démonstratifs. Son ton reste égal. Pas de joie excessive ni même modérée. Il s'agit simplement de la suite attendue de la négociation. Ces gestes sont ce qu'ils doivent être sans plus. Et ils seront aussi ce qu'ils doivent être au moment de régler l'addition, car c'est bien entendu le rôle du fournisseur. Et à partir de là, je perds de vue le représentant et son client. Sur la table restent les deux théières et les deux tasses, et les sachets de thé qui ont commencé à sécher. Et à la table, à côté de celle-ci devenue vide, je ne peux qu'entendre cette femme raconter à son amie l'histoire d'une collègue. Retour de congé maternité, nouvelle direction suite à une fusion. Ou une acquisition, peut-être les deux. Nouveau service, nouvelle organisation, nouveau chef, ancien collègue, déjà plus tous là, et à elle, le nouveau patron, dans le bureau de l'ancien, entre quatre cieux, lui dit « Maintenant que votre congé maternité est terminé, je peux enfin vous virer, sauf si vous avez un autre nom à me donner à la place du vôtre, qu'elle n'avait pas, cet autre nom. » Et le soir, chez elle, licenciée, elle ne pleura pas, elle vomit. Dehors, les gestes du représentant seront ceux de
la poignée de main, du regard d'au revoir, avec le hochement de tête, juste ce qu'il faut. Et puis monter dans le bus pour la gare du Nord. Le ticket à valider, trouver une place assise ou rester debout, et puis descendre à la gare. Là, le regard levé vers le panneau d'affichage des départs, ces gestes seront ceux qu'il faut faire en telle circonstance. Composter, trottiner vers le quai pour être sûr d'avoir une place assise dans le wagon le plus proche de l'escalier de sortie à sa gare d'arrivée. Tous les gestes à venir seront ceux qu'ils doivent être, dans le train et en sortant, dans la gare jusqu'au parking de la gare, où sans doute sa voiture est garée, les gestes qu'il faut faire au volant, dans la voiture, sur le trajet jusqu'au foyer, quelques gestes encore auprès de ses deux enfants, 10 et 15 ans, et de sa femme dont le regard partage la même fatigue des jours, les gestes qui conviennent, les gestes convenables, ceux de tous les jours, ceux d'avant et ceux à venir, ces gestes, tous ces jours, tous ces gestes faits et ceux à faire et tous ceux gestes qu'on ne fait pas